Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog consacré aujourd'hui à une phrase de Pat Metheny en la mineur pentatonique avec la blue note. C'est très smooth jazz, c'est issu de l'album Here to Stay, du morceau Here to Stay. Donc c'est le stop chorus au tout début du chorus. Donc la tablature, comme d'habitude, elle est avec toutes les autres tablatures des vidéos YouTube dans le Zunino Club. Vous rentrez votre email, vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit et... Vous avez 2 heures de formation gratuite et dans la description vous avez mes recommandations lecture, qu'il s'agisse de livres de musique ou qu'il s'agisse de livres inspirants. Donc je vous joue le plan, donc ça va nous faire... D'accord, donc voilà, assez simple, assez smooth jazz, il n'y a que les notes de la gamme pentatonique et vous voyez, ça sonne quand même assez jazzy, d'accord. Donc là, en fait, on va partir sur le E du 4 et on va faire 3, 4. Donc là, en fait, le plan est construit sur la gamme pentatonique de La mineur, ici, d'accord. Et on va partir ici, d'accord. Il y aura une extension ici de la 12e à la 17e case et ça va nous faire... Et là, en fait, on va faire une appoggiature comme ça, en glissé, très rapide, avec la blue note. Voilà, et c'est half-time shuffle, quoi. C'est pas des doubles croches droites, d'accord. Donc là, après, on descend tout bêtement la penta jusque ici au sol. Et après, on récupère la tierce ici. Donc première phrase, 1. D'accord ? Encore une fois. Et là, après, sur la quatrième double du quatrième temps, on va attaquer ici, on vient à notre position de gamme pentatonique ici. Si vous voulez, en partant de Do, hein, si je la fais entière, c'est l'équivalent de la gamme majeure pentatonique. D'accord ? Et là, ça va nous faire... Donc là, attention, on part de là, on va sur la blue note ici, mi bémol. D'accord ? D'accord, ça va nous faire donc. Et on va retomber sur le temps ici. Donc là, à coup de médiator, vous faites haut, bas, bas, haut, bas. Et après, donc là... Moi je vous conseille comme ça, hein, en déplacement, donc ça nous fait ok. Après, sur la deuxième double du quatrième temps, là ce sera en fait, hein, avec des sextolés, hein, donc d'accord, donc après je récupère, je vais changer de plan. Donc cette première ligne. Ok, superbe. Et après, on va atterrir ici. Je vais continuer, hop, ici. Voilà, donc ça va nous faire. D'accord, là, pas de difficulté. D'accord ? Et en fait, il y a le même rythme après. Hein. C'est toujours sur la gamme pentatonique. Donc, vous voyez, avec juste la gamme pentatonique, à quel point on peut donner... on peut ne pas sonner forcément... Enfin, quand je dis pas sonner pentatonique, c'est que ça sonne très jazzy. Hein. Et après, pareil, ici. D'accord ? Et après ? Là, on va monter comme ça. Ok, et là, croche, et après on descend la gamme pentatonique, enfin la gamme blue si vous voulez, comme ça. D'accord, bon là après moi, en fait on s'arrête sur le Do, hein, qui est la tierce mineure de la mineur 7. Ok. Ça nous fait. Vous
là on peut pas mieux illustrer la gamme pentatonique façon Metni, parce que vraiment c'est vraiment son phrasé typique qui est là, son phrasé pentatonique qui est magnifique d'ailleurs. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'hab, la table est là-haut et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.